is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your. Et le voici. L'appel du destin 1994, sorti en même moment que l'ultime menace sur Super Nintendo. Il y avait un petit décalage. Il y avait un petit décalage avec la version Super, mais il était pas mal. Je l'avais joué, on me l'avait prêté à l'époque. Je pense que les coups sont similaires à la version Super Nintendo, que c'est la version que j'ai le plus torché entre guillemets. Donc là c'est la version Mega Drive. Normalement il se jouait à manette 3 touches. Donc on devrait s'en sortir. On devrait s'en sortir maintenant. Hop. Alors, mode histoire, mode combat, avec le mode versus, hein, contre ordinateur de contre 2, et regardez, ils ont traduit ça comme garde. Ok. Donc, dans les options, qu'est-ce qu'on a? Donc, voilà, 3 boutons. Point kick, voltige, normalement, donc c'est pour ils ont mis le coup de poing. Après, ils auraient dû mettre le coup de pied, mais en fait, ils ont mis le kick. Ça marche aussi. Et voltige, donc, pour voler. Ok. Donc on va au mode histoire. Donc en fait voilà, on va choisir le personnage du début et on sait déjà avec qui on va avoir le combat final. Donc on voit bien, donc il y a Goku, Gohan, Piccolo, Vegeta, Trunks, Cell, C18, Krillin, Freezer, Lee Kum, il est là, et Junyu. Alors, est-ce que vous avez une préférence? Dans le chat, est-ce que vous avez une préférence pour votre combattant préféré? On remarque d'ailleurs que Goku étant... Alors, Juachigo, ok. On va prendre alors Juachigo. Mais on remarquera, ce que je voulais dire, c'est que Goku... Goku étant Super Saiyan et Vegeta ne l'est pas. Alors, je ne sais pas sur la photo s'il se... Si on peut la voir directement aussi sur la photo, mais bon. Voilà, bon, on va prendre C18, comme on le demande dans le chat. Donc combat final, ça sera contre Cell. Hop. Alors, numéro 18. Passe des jours tranquilles avec Krillin ou Kurilin et leurs enfants. Ils sont alors confrontés au problème de se nourrir. Elle trouve alors une solution. Remporter le prix en battant les mauvais. C'est littéralement ce qui est écrit. Gagner en jouant, c'est le plus beau travail. Là, c'est tout le temps les traductions bancales de l'époque. Donc on va se faire Krillin. Premier combat contre Kurilin, Krillin. Alors si je me rappelle bien. Tais-toi, je lutterai à tout prix. Arrête-toi si c'est possible. Alors ça c'est ça. Ok, c'est le même genre. Les coups, je les connais pas par cœur sur celui-là. Et là, j'en ai fait un. Ok. Ah,
Tac, j'avais pas assez d'énergie. Ok, alors on peut faire. Non, c'est pas celui-ci. Alors on va essayer. Un petit coup. Les touches sont un peu différentes de celles de la version Super Nintendo. Donc c'est pour ça que ça me trouble un peu. Tout du moins au début là. Tac. En plein dedans. Non, 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 il voulait me gruger là. Il voulait me gruger, moi je vais lui faire une super boule. Voilà, il est parti. Tac. Et voilà, il se l'est mangé. La phase finale en plus est assez classe. Ouais, exactement. Tends la main, les cheveux comme ça dans le vent. Pff, excellent. Bon, je m'en vais. Alors pour l'instant, il faudrait que je trouve aussi les coups, les enchaînements. Parce que je les connais pas par cœur sur Mega Drive. J'en connais certains d'ailleurs. Sur Super, pas tous, mais... Mais en fait, la version Mega Drive, elle est assez stylée quand même. Alors, si tu veux, tu peux t'enfuir. Arrête, je ne veux pas te... J'ai pas eu le temps de lire le reste. Alors ça... Ok, il se l'est mangé. Tac. On essaie de faire des coups. Quart de cercle. Ah, quart de cercle arrière. Tac. Allez hop. On y va. Arrête, je ne veux pas te battre. Ok, c'est ce qu'il a dit. Je l'avais pas vu. J'ai pas le temps de lire. Petit coup de boule. On va essayer le... Tac. Mange-toi ça. Juste après, hop, on va se faire la boule. Ah non. J'allais faire l'autre coup de boule et lui balancer une boule juste après. Pour être stylé, tu vois. Et bah tiens, allez hop. On y va. Il se l'est mangé en pleine face. Un petit peu de force. Voilà, il voulait me gruger là. On va essayer de l'avoir en coup de boule. Tiens. Voilà, voilà. Je vais combattre tout de même. Et hop, contre Piccolo. Satan petit cœur. Coup de boule de Matarazzi, exactement. Zizou dans ses meilleurs jours. Je ne pourrais pas m'arrêter. Je suis le plus... Peut-être fort, je ne sais pas. Je n'ai pas lu le reste. Tiens, et là, par la suite, il est à terre. Ah non, il s'est relevé, mince. Et tac! Prends-toi ça dans la face, Piccolo.
faut vite que je récupère de l'énergie. Exactement. Ah, il s'éloigne là. Il a envie de chercher des noises là. Et tiens, regarde. Ah ! Avec une seule main. Et là, on va le finir. Hop, avec une grosse lutte de boules là, je pense. S'il se fait homme. Ah non, il a arrêté. Et dis donc. C'est quoi ces gens là? Oh là 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 là, encore. Allez, je vais être dans les vapes. Non. Vas-y, récupère. Yes. Juste. Un Piccolo, il est en vie là. Coup de boule. Peut-être. Ah non, c'était la petite feinte. On va essayer de... Tac, on recule. On va essayer de mettre le gros... Pour l'instant, j'ai aucun des personnages n'a renvoyé pour l'instant la boule. On n'a pas eu de lutte de qui. T'es plus fort que je l'ai imaginé. Allez hop, contre Vegeta. Ça alors, viens si tu veux lutter. Arrête ou tu vas le payer cher. Oh là là. Mince. Il se l'est mangé. La musique est stylée hein, aussi. Hein. Il y a du dynamisme. Oh là 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 là. Le Final Flash. Ouf. Oh là, je l'avais arrêté. J'ai pas réussi à faire le... renvoiement de boule, c'était à peu près. Mais là, c'est la vengeance. J'essaie de le gruger pour faire une grue. Oh non! Là, il m'a eu. Dans le dos. D'ailleurs, ça m'arrange. Tiens! Allez, espérons que ce soit le dernier là. Parce que j'ai plus trop de vie. Juste du hein, parce qu'il l'avait bloqué quand même. Pourquoi les hommes sont-ils si vains? Allez, donc c'est Rikum.
C'est toi qui ravageais le coin. C'est toi qui ravageais le coin. Oh, ça serait dommage de te tuer. Donc là, on approche de la lutte finale. Hein. Avec celle. Hein. Il reste encore quelques petits combats, mais on approche. Seul, je vais mieux m'en sortir. Yo. Allez hop, on lui balance du ki et se les manger. Ok, cool. Je vais bien charger là. Tac. Et là, on lui balance la max. Qu'est-ce qu'il va faire? Oula, il l'a bloqué. Il a utilisé son ki pour bloquer. Tac. Essayez de. Et hop. Il a remax. Essayez de l'avoir. Oh, encore bloqué. Et il a bien joué, il a bien réussi. Il a bien réussi. Hop, j'étais dans les vapes, mais j'ai réussi à récupérer. Oh là là, il a bloqué mon coup. Ah, oh, il m'a rebloqué encore. Parce que j'étais en train de faire le mouvement. Hop. Essayer de monter et on va essayer de faire. Hop, on va faire celle-ci. Mais arrête hein. Avec une seule main. Le stylet vraiment pour la fin. On va essayer de voir ce qu'il va faire. Allez, se les manger. Ah vraiment, t'es très tu es trop faible. Attends, on a Jinu encore. Ce qu'il va faire, mourir. tu parais fort, mais pas à mon niveau. C'est un bon adversaire pour moi. Alors là normalement, on peut utiliser le pouvoir en fait de changer de corps, si je me rappelle bien. Même sur la version Mega Drive, c'était un truc qui était excellent. Tiens, comment je lui ai mis la boule. Là, se prépare. Hop. Allez, vas-y, montre ce que tu sais faire, Jinu. C'est mangé, cool, cool, cool. Alors là, faut que je récupère vite fait. Voilà. J'en profite, tant qu'il vient doucement. Tac. Un petit peu d'espace pour la boule max. Oula, il a renvoyé. Oh là 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 là, comment il m'a grugé là. J'avoue, Laura, non, Vanish, non, nouveau jeu. Et hop là. Arrête pas de me bloquer là. Oh non, je vais le manger. Fait.
Il veut mano à mano, c'est ça? Allez hop, la max. Allez Junu, qu'est-ce que tu vas faire sur celle-là? Et tu vas te la manger. Exact. Ouais, une bonne chose de faite. Hein. Gagner ce combat était très facile. Ah bah non, on n'a pas encore celle. On a Freezer avant. Freezer qui s'en mêle. Bon, mon chat fait des siennes. Je remporterai le prix quand je te bats. Personne ne peut me battre. Allez, allez, on y croit. Allez, on lâche rien. Tac, on dégage, et là, mange-toi ça. Oh, il l'a bloqué. Non mais, on se refait la même. Non, j'ai pas réussi. Tiens. Et la max. Oh là, il s'est barré. Je m'en souvenais même plus. Le coup de pied plongeant à la fin. Tiens, on peut pas tout le temps l'esquiver quand même. Tac, on récupère de la vie. Oh là là. Tiens, elle est revenue. Ah, le coup de boule n'a pas fonctionné, il est attentif. Tiens, là ça a fonctionné. Et là c'est la max. On va essayer de finir. Et ça marche. Non, ça ne marche pas, il est parti. Dégoûté. Allez, dis donc, ce Freezer là. Je ferais même le jeu de mots, est-ce que Monsieur Freezer n'a pas froid aux yeux? Voilà. C'est fait. Il s'est rétamé comme une petite chiasse à ce combat. À ce combat m'ennuie aussi. Voilà, la fin contre celle. C18 contre celle. Ouais, exactement, Monsieur Freezer n'a pas froid aux yeux. C'est le jeu de mots. Incroyable. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est une surprise, n'est-ce pas? Donc combat final, C18 celle. Voilà, hop, on essaye la rice. Il veut me gruger là, je le sens. Tac. Tac. Oh là là, vas-y, te gêne pas. Tiens. Tiens, il se l'est mangé.
Tiens, laisse-moi manger juste. Ouais, vas-y. T'as ma Senko là? Est-ce que t'as le droit? Ah, j'ai pas eu le temps, il est trop près. Ouh, ça m'a fait mal. Hein. Ça m'a fait mal. Hein. Et je me venge. Parce que c'est comme ça. Pas de fumée sans feu. Il a fait un Masenko, il est tout fou. Il a piqué le truc à... Tiens. Je fais des trucs stylés à la fin. Tiens, regarde. Ah là, tu vois, je le maîtrise déjà là. Je commence à maîtriser ces 18. C'est moi qui vais faire une boule. Je veux mettre la max pour voir si c'est la boule finale. Est-ce que je vais gagner? Oh, il l'a bloqué. Oh là 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 là. Il a pas envie de mourir. Hein. Il tient la vie là. Tiens, un coup de boule. Et là, on doit finir par là. Par là. La boule à une main, je crois. Je vais essayer. Ah, je peux pas, j'étais trop près. Boule à une main. Le stylet. Le stylet pour la fin, espérons. Exactement. Finir sur... sur le dédain total. Enfin, j'ai gagné, c'était dur. La boule magique, Nekuro, exactement. Elle passait des jours tranquilles avec Krillin. Tu es vraiment super d'avoir battu celle-là. Les fins sont stylées. Sont stylées en tout cas. Ça fait comme... Merci, je m'ennuie maintenant. Je veux dire, sont stylés, au moins ils ont eu la décence de mettre des artworks. Ils passeront des jours tranquilles. Pendant quelques années. Oui, ils ont mis deux entre guillemets JPEG, ils pourraient en mettre d'autres, non? Tandis que Krillin caressait leur enfant. Elle eut l'air de s'ennuyer. Et c'est fini. Alors on a eu droit juste à 2 GP. C'est pas mal. On essaiera peut-être de se faire un autre jeu, un autre personnage, mais cet épisode, mais regardez, il est vraiment stylé quand même. Il a des bonnes musiques, il a un petit peu... il a des animations en plus en fait quand on bat l'ennemi ou n'importe quoi. C'est assez sympa. Hein. Là on est en train de voir le staff de Bandai France de l'époque. Tiens, il y a Advisor, il y a Crevette dedans. Il y a Gambas, Pedro, Jim Destroy. Donc c'est en fait sur cette Mega Drive là, ils ont été voir l'équipe de Player One. L'équipe de Player One de l'époque. Ou de Télévisator. Mais en 94... 94, ouais, plutôt Player One. Hein. Ça par exemple, je le savais pas. Je le savais pas. Ah, ils ont fait du bon boulot. Hein. Suffit juste de connaître les coups vraiment par cœur. Et c'est impeccable. Chichen, Kappa, Devi, et quoi dessus? C'est les Special Thanks.
présenté par Bandai Co. Limited. Petit coup de pub, Bandai. Sega.